Donc, je vais vous présenter les étapes que vous devrez suivre si vous souhaitez rembourser vos dettes rapidement. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial et qui m'a été demandé par certaines abonnées. Comment rembourser ses dettes rapidement pour atteindre sa liberté financière? Les dettes peuvent vraiment être un lourd fardeau financier. Mais avec la bonne stratégie et la détermination, il est tout à fait possible de les rembourser et atteindre son indépendance financière. Première étape, faites l'inventaire de vos dettes. Prenez le temps de lister tous les créanciers que vous avez, le montant que vous leur devez, le taux d'intérêt qui est lié à cette dette et bien sûr les mensualités minimum que vous devez rembourser. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur la totalité de vos dettes et ça vous permettra aussi de prioriser le remboursement de certaines dettes. Surtout, soyez honnête avec vous-même. Ne cachez rien du tout, même les plus petites dettes, mettez-les dans cette liste. Deuxième étape, établissez un budget strict. Donc vous allez lister vos dépenses et vos revenus et vous allez établir un budget pour lequel vous allez allouer des montants dédiés pour vos dépenses essentielles et vous allez également voir si vous pouvez combien vous pouvez dégager pour rembourser vos dettes plus rapidement. L'objectif ici, dans ce genre de budget strict, c'est vraiment d'affiner au maximum vos montants alloués à chacune de vos catégories. Vous allez également devoir réduire vos dépenses non essentielles. Vous allez également devoir réduire vos dépenses non essentielles et vous consacrer principalement au remboursement de vos dettes. Chaque euro compte. Souvent, on a trop tendance à se dire oh, « mais là, c'est juste 2 euros, là, c'est juste 3 euros ». Lorsqu'on additionne tout ça, ça fait souvent à la fin du mois de sacrés montants, 50 euros, 100 euros, qu'on peut vraiment venir allouer au remboursement d'une dette en particulier. Troisième étape, utilisez la méthode boule de neige. Alors ça, c'est une méthode qui est communément utilisée par les personnes qui ont besoin de rembourser leurs dettes rapidement. En quoi ça consiste? Vous allez vous concentrer sur le remboursement des dettes les plus petites qui ont le plus petit montant tout en continuant à faire des versements mensuels sur les autres dettes que vous avez. Une fois que vous avez fini de rembourser votre première dette, vous allez utiliser le montant que vous versiez à ce créancier pour venir rembourser un peu plus vite la deuxième dette. Donc par exemple, si vous remboursiez 50 euros tous les mois pour un crédit à la consommation, une fois que ce crédit a été entièrement remboursé, ces 50 euros-là, vous allez les mettre en plus tous les mois sur la deuxième dette, mettons, pour un crédit automobile. Donc, si vous aviez 100 euros à rembourser pour votre crédit automobile, vous allez maintenant rembourser tous les mois 150 euros et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez totalement effacé toutes vos dettes. Vous comprenez du coup l'analogie avec la boule de neige. Donc, cette méthode-là va vous permettre vraiment d'accélérer votre remboursement de dettes. Si jusqu'ici cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous êtes dans une période où vous envisagez de rembourser plus rapidement vos dettes. Partagez cette vidéo avec un maximum de personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin des conseils que je prodigue sur ma chaîne. Likez la vidéo pour que YouTube la fasse remonter dans la liste de recherche. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Quatrième étape, négociez avec vos créanciers. Bien trop souvent, on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité d'aller négocier avec des organismes de crédit, par exemple, ou même avec l'État, si vous devez de l'argent à l'État. Contrairement à ce qu'on pense, derrière, il y a des êtres humains. Et lorsque vous présentez en toute transparence votre situation financière et que vous leur expliquez aussi votre ambition, votre envie de rembourser vos dettes rapidement, ils sont tout à fait prêts à vous octroyer des facilités de paiement, des échéanciers beaucoup plus souples par rapport à votre situation financière. Et pourquoi pas faire baisser certains taux d'intérêt pour ceux qui sont les plus magnanimes. Cinquième et dernière étape, et c'est une de celles à laquelle on ne pense pas souvent, ou on a trop souvent la flemme de le faire, c'est de trouver des sources de revenus supplémentaires. Peu importe le niveau de vos revenus, il est toujours hyper intéressant de trouver des sources de revenus complémentaires. Ces sources de revenus-là, c'est l'argent que vous allez gagner avec ça, vous allez l'allouer à 100%
à votre remboursement de dette. Donc que ce soit trouver une activité en tant que travailleur indépendant, faire du freelance si vous avez un talent que vous pouvez vendre à certaines entreprises, vendre des objets dont vous n'avez plus du tout l'utilité chez vous, vendre des vêtements aussi ou des sacs, des accessoires que vous n'utilisez pas. Peu importe ce que vous décidez de faire, chaque euro va compter lorsqu'il s'agit de rembourser ses dettes rapidement. Et voilà, nous avons vu ensemble les différentes étapes que vous devez appliquer pour rembourser vos dettes beaucoup plus rapidement. Donc je répète pour que vous puissiez l'avoir bien en tête, faire l'inventaire de vos dettes et surtout n'en cacher aucune, établir un budget strict, utiliser la méthode de la boule de neige, négocier avec vos créanciers et trouver des sources de revenus supplémentaires. Voilà les actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour vous permettre de rembourser vos dettes le plus rapidement possible et atteindre votre liberté financière. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram @ladiesbudget. See you ladies!